Yahoo des bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui du coup je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi. Et on va parler du manga Nouveau Départ. En ce qui concerne du coup le manga Nouveau Départ, nous sommes sur un manga qui est donc des éditions Bozlo dans leur collection Anna Collection. Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre romance et tranche de vie. La série date de 2015 au Japon et de janvier 2018 en France. Nous sommes sur une qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka, alors j'ai peur de la prononciation, on est avec Moegi Yuke. Voilà. En ce qui concerne le mangaka, je ne sais absolument pas s'il a écrit une autre œuvre disponible en France. Si c'est le cas, tu verras de toute façon l'illustration. Et si ce n'est pas le cas, tu verras un petit sens interdit. Par contre, petite précision, ce manga n'est absolument pas à confondre avec un autre yaoi du même nom, Nouveau Départ, qui est celui-ci. Je te mettrai d'ailleurs la présentation du manga si je l'ai toujours, la vidéo en barre d'infos. Mais à savoir que ce ne sont absolument pas les mêmes histoires, mais qu'elles sont toutes les deux intéressantes à découvrir. Donc du coup, comme je te l'ai dit pendant l'intro, le manga Nouveau Départ a un autre manga disponible en France du même nom. Donc ne vraiment pas les confondre car les histoires et les scénarios sont différents. En ce qui concerne du coup la qualité du dessin pour ce manga, je te dirais que on a eu mieux et on a eu pire, donc du coup on est juste sur un j'adore énormément. Bon certes c'est vrai, c'est pas non plus officiel, mais j'aime bien quand même, donc, enfin j'aime bien, j'adore, donc voilà. Pour ce qui est du coup du scénario, alors honnêtement je t'ai dit qu'il était âge conseillé 14 ans et plus, tout simplement pour... parce qu'officiellement il est marqué 16+ sur les sites internet. Mais moi je t'ai mis du coup 14+, parce que après tout du moment que tu es ok du coup que deux garçons soient ensemble et surtout qu'il y ait une différence d'âge, il n'y a aucun problème dans cette histoire, tout simplement parce que je crois que si on voit deux bisous, c'est déjà un espoir. Il me semble qu'on n'en a qu'un, donc voilà, il ne se passe rien de particulier, ils vont se tenir la main une fois et c'est tout. On va avoir rien du tout de particulier, aucune scène choquante pour les plus jeunes, aucune allusion perverse, on n'a vraiment rien, cette œuvre est juste toute douce. Alors on est du coup sur un scénario d'un homme qui a déjà eu une vie, a été marié, a divorcé, a eu une fille entre temps même, du coup pendant qu'il était marié, et décide du coup, vu qu'il est divorcé, d'aller tous les jours au restaurant, tout simplement parce qu'il est nul et qu'il est incapable de faire la cuisine. Bonjour Ibi aussi est présent, je plaide coupable. Donc du coup, tout simplement, bah, il va commencer à faire la discussion avec le jeune homme qui le sert au restaurant, et petit à petit, du coup, ils vont commencer à créer un lien, et un lien qui va aller un peu plus loin que juste des potes. Voilà. En ce qui concerne la série, je te dirais qu'on est sur un méga coup de cœur, une tuerie. Alors oui, certes, il se passe rien. Certes, voilà, au niveau relation, tout ça, tu vas rien avoir. Mais l'histoire, c'est marrant, c'est que limite, ce sont les mangas où il se passe le moins de choses, finalement, que j'aime le plus. Où l'amour, le sentiment, l'émotion est la plus forte, et la plus développée et la plus travaillée. Je pense notamment à justement Machin Gakiko Eru, là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Non, je t'en parle juste après, mince, c'est vrai. C'est la partie du coup des chapitres où je te parle justement de ce manga. Mais on va être vraiment sur des œuvres comme ça que j'ai autant aimé, je veux dire, comme Gakiko Eru. On va avoir aussi L'étranger de la plage qui est à peu près au même niveau à mes yeux, au niveau de ce que j'ai ressenti pour cette histoire. Alors attention, L'étranger de la plage est bien au-dessus. Si on devait faire une note, il est bien au-dessus. Si on devait s'amuser à les classer, L'étranger de la plage est au-dessus. Mais, Nouveau Départ de Boys Love Collection, Anna Collection, édition janvier 2018. Mon Dieu, le coup de cœur. Donc certes, là pour l'instant, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup lu de yaoi pour le début de l'année. Même si j'en ai lu plus que je ne t'en ai présenté. Mais il faut savoir qu'à mon avis, celui-ci, il va finir dans les gros coups de cœur en fin d'année. Ça, c'est clair et net, il va finir en gros coup de cœur de fin d'année, celui-ci. Parce que l'histoire est belle, l'histoire est bien développée. On développe les sentiments humains. On développe surtout cette histoire de fossé, au niveau de l'âge, de sentiments, de la peur, justement. L'homme a peur, du coup, que sa fille découvre
qu'il est amoureux d'un autre homme alors qu'il a été hétéro avant, qu'il a une femme et qu'il a eu même une fille. Il a peur aussi, on va mettre tous ces sentiments-là en avant, la peur, le doute, la réflexion, le problème de la différence d'âge. D'ailleurs, c'est abordé aussi dans Après la pluie, je crois c'est de Cana. Je sais plus le nom exact, mais tu vois très bien de quoi je parle. C'est actuellement toujours en cours au Japon et en France, qui est du coup des éditions Cana, si je dis pas de bêtises. Et j'ai lu juste, pour le manga de Cana, j'ai lu juste à peu près les 30-40 premières pages, enfin le premier chapitre. Mais on va être à peu près dans ce genre d'œuvre-là, j'ai l'impression, et on est vraiment sur une œuvre qui est géniale. Honnêtement, si tu as envie de commencer dans du yaoi, si tu n'as pas envie du tout de voir quasiment de relations réelles, si tu veux juste sur on sait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, puis on sait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, et que tu es ok aussi pour qu'il y ait quand même une différence d'âge entre les deux personnages, parce qu'on doit être sur un homme qui doit au moins avoir 45 ans et l'autre qui doit avoir la vingtaine. Parce que je fais pas, enfin j'arrive pas à convertir âge et école, surtout qu'en plus au Japon c'est pas exactement fait comme nous. Et voilà, donc on est sur un étudiant et un gars du coup qui voilà, sa fille je crois qu'elle a 16 ans, donc fait le calcul. Donc 40 ans. Je pense qu'il a au moins 40 ans l'homme dans le. On nous le dit pas l'âge, et ça c'est un petit peu dommage, ça reste flou. Certes, ça permet quand même de du coup ne pas rester concentré sur ce chiffre en fait, que moi je déteste. Je crois que je me suis un petit peu perdue dans cette partie, mais c'est pas très grave, je préfère rester 100% naturelle, donc du coup je pense pas que tu auras eu beaucoup de cuts dans cette partie. Voilà, donc je te laisse avec la suite. Pour ce qui est du coup de mon avis sur les couvertures, je te dirais du coup que ça a été tout simplement un méga coup de cœur. Il faut savoir qu'honnêtement l'illustration m'a énormément convaincue à aller lire le résumé, c'est-à-dire que dans les nouveautés qu'il y a eu en janvier, enfin qui étaient prévues pour janvier, c'est vrai que celui-ci, ça a été le premier, quand j'ai vu la liste totale, c'est le premier sur lequel j'ai cliqué pour voir du coup les informations, tout simplement parce que justement l'illustration avait su m'attirer et me convaincre. Donc voilà pour l'illustration à l'avant. En fait, ça s'étend pour faire un arrière, donc ça je trouve ça juste magnifique. Le côté herbe du coup qui est très mignon, enfin allongé dans l'herbe. Et le résumé du coup qui est dans un cadre, mais qui est aussi un cadre vert, un peu plus estompé. Ça me fait penser d'ailleurs, si je dis pas de bêtises au niveau du titre, ça devait être Igamari Gakikoeru, entends-tu le chant du soleil, ouais un truc comme ça, je te mets une image de toute façon. Mais voilà, c'est exactement le même principe, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Surtout qu'on a repris plus ou moins la couleur du jean du plus vieux, oui c'est plus vieux, pour ici, donc j'ai vraiment apprécié. Voilà, on voit bien que c'est la même couleur. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce petit détail. Quand on enlève la jaquette, ici, on va voir du coup l'illustration que l'on avait. Mais à l'arrière, on n'a rien. Pour ce qui est de l'intérieur, on a droit à une sublime illustration en couleur, qui est vraiment très très mignonne. Et on passe à ceci. Alors par contre, là, je suis désolée, hein, là, il y a le micro coup de gueule. Un sommaire avec écrit juste chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. À son ou le nombre de pages, j'ai envie de dire un mot, mais on va dire juste purée. Ils sont où là les pages temps, page temps? Moi j'en ai besoin pour ma lecture, franchement j'en ai besoin. Je pense que vous le savez à force tous, quand je lis un manga, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin de savoir, de calculer, de savoir par exemple je suis page 25 et il me reste tant de temps au niveau de ma lecture, parce que ma vie est un véritable chrono, ma vie est rythmée à la minute près, voire même à la seconde près, oui je sais. Ça peut paraître cher, mais moi personnellement ça me convient parfaitement. Donc du coup j'ai besoin de savoir où j'en suis. Voilà. Donc ça c'est la grosse déception. Sinon l'illustration ici qui est un petit peu mignonne. Ouais, voilà. Là ici on se farcit encore une fois la même illustration. Et on commence du coup comme ceci. Voilà. Donc ça, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Hein. Ça a commencé dans ça en fait l'histoire. Là c'est une image bonus. Par contre, en ce qui concerne la fin, on n'a aucune page de pub pour d'autres mangas des éditions Boss Love. Donc du coup, je ne peux pas te faire de la pub pour d'autres mangas de leur maison d'édition. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et pourquoi pas la partager. N'oublie surtout pas du coup de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série. Si je t'ai convaincu du coup de l'acheter et que je suis un méchant poncha qui te met un titre de plus dans ta wishlist.
pense à me mettre du coup en commentaire si tu as lu cette œuvre ton avis, ça me ferait très plaisir de le découvrir, ça permettra aux autres penchats de se guider pour un futur achat. Et je t'invite du coup à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation. Sur ce, à bientôt.